finalité première de l'outil, c'est de faire de l'historique de proximité. C'est exactement ce que l'on va faire avec les fameuses brigades qui vont être mises en place, mais avec les moyens du numérique. Donc, on pourrait dire que finalement, les deux choses se complètent. Il y a des avantages et des limites, notamment techniques, parce que le Bluetooth, a priori, n'est pas fait pour évaluer la distance entre deux téléphones. Par conséquent, on risque d'avoir notamment des faux positifs. Sur un territoire où la population n'est pas trop dense, c'est peut-être plus facile à utiliser que dans le métro.